Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, voici les titres. Le vice-président du Sénat, Éric Besseau, a reçu au Palais Vert d'Annecy les représentants de l'Aegis menés par le directeur général de ce groupe français œuvrant dans le secteur des infrastructures, Laurent Germain. Le fait pour les personnes qui transitent aux frontières d'un pays de ne pas connaître les tarifs douaniers qui y sont en vigueur leur pose problème. Pour venir en aide à ces dernières, la douane malgache a mis en place la plateforme baptisée e-Tarif. Les cornes de zébu sont le principal produit de base utilisé par les artisans malgaches établis le long de la route nationale numéro 1. Ces derniers s'étaient plaints à plusieurs reprises des problèmes qu'ils rencontraient en matière d'approvisionnement en matières premières à des prix abordables selon le rapport du ministère de tutelle. Aux États-Unis, Donald Trump est arrivé lundi, pansement sur l'oreille, à la convention républicaine de Milwaukee, accueilli par une foule survoltée qu'il a longuement ovationnée debout. À la une des actualités, le vice-président du Sénat, Éric Besseau, a reçu au Palais Vert d'Annecy les représentants de l'Aegis menés par le directeur général de ce groupe français, œuvrant dans le secteur des infrastructures, Laurent Germain. La discussion a principalement tourné autour de la réhabilitation des routes nationales et de la rénovation du port de Toamasne à travers une collaboration qui durera jusqu'en 2027. Rappelons que l'Aegis et l'État malgache ont collaboré depuis 50 ans. Le vice-président du Sénat, Éric Besseau, a fait savoir que l'État malgache est prêt à poursuivre sa collaboration avec l'Aegis pour l'intérêt de la population des collectivités territoriales décentralisées. Le questeur du Sénat, Eddy Serge Fernand, a été aux côtés du vice-président du Sénat, Éric Besseau, lors de cette rencontre. Les correcteurs de l'examen du baccalauréat pour cette session 2024 n'ont rien à craindre concernant le paiement de leurs vacations, d'après les dires du DAF de l'Université d'Antananarivo. La vacation des correcteurs de l'examen du baccalauréat de l'année 2023 ayant déjà également été réglée, d'après ces précisions, le budget des besoins pour l'examen du baccalauréat a connu une demande d'augmentation pour cette année. La première tranche de ce budget est déjà auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, soit une somme d'1,214 milliard d'arrières. Reportage d'Elisa Herman. Les correcteurs de l'examen baccalauréat craignent chaque année concernant le paiement de leurs vacations. Depuis plusieurs années, le paiement de vacations de ces derniers ont toujours connu un retard. Le DAF de l'Université d'Antananarivo a réagi face aux rumeurs qui circulent dans les réseaux sociaux exprimant la crainte des correcteurs par rapport au paiement de vacations. Le budget concernant les besoins de l'examen du baccalauréat de l'année 2024, incluant les fournitures, la vacation des correcteurs, des surveillants et des responsables y afférents, sont déjà actuellement reçus, d'après les dires du DAF de l'Université d'Antananarivo. Le budget des besoins pour l'examen du baccalauréat a connu une demande d'augmentation pour cette année. La première tranche de ce budget et déjà auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, soit une somme d'1,214 milliard arrières. Le paiement de vacations des correcteurs de l'examen du baccalauréat cette année 2024 n'est donc plus à craindre, d'après les explications. La vacation des vacataires de l'examen du baccalauréat de l'année 2023 est également déjà réglée, a précisé le DAF de l'Université d'Antananarivo.
Les cornes de zébu sont le principal produit de base utilisé par les artisans malgaches établis le long de la route nationale numéro 1. Ces derniers s'étaient plaints à plusieurs reprises des problèmes qu'ils rencontraient en matière d'approvisionnement en matières premières à des prix abordables. Selon le rapport du ministère de tutelle, ces artisans ont en effet du mal à se procurer ces matières premières dont le prix ne cesse d'augmenter. Une situation qui peut porter préjudice à ces artisans et leur causer des pertes financières. Ainsi, une première centrale d'achat de cornes de zébu a été mise en place à Imirtiatousk par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour satisfaire les besoins des artisans en matières premières. À Sibela Rangemazaf. Les cornes de zébu font partie des matières premières les plus utilisées par les artisans qui sont implantés au bord de la route nationale numéro 1. Or, ils s'étaient plaints maintes fois de la difficulté de l'accès à cette matière première et le coût exorbitant de cette dernière. Ces artisans ont en effet du mal à se fournir en matière première car leur prix augmente sans cesse, leur causant des pertes financières conséquentes. Ainsi, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a inauguré la première centrale d'achat de cornes de zébu à Imirtiatousk. Cette initiative vise à répondre aux besoins des artisans cornetiers de la région d'Itas en leur fournissant des cornes de zébu de qualité à des prix abordables, en accord avec l'un des axes prioritaires du ministère concernant l'accès aux matières premières. Le centre dispose d'un espace d'exposition et de vente pour les produits finis des artisans, ainsi que d'un showroom destiné aux touristes visitant la RN1, mettant en valeur le savoir-faire malgache. La mise en place de ce centre s'inscrit dans le cadre de la réalisation du projet Route de l'artisanat sur l'ex-RN1, visant à dynamiser les activités artisanales de la région. Il est à noter qu'une partie des recettes obtenues par la centrale d'achat sera allouée à un fonds spécial géré par le CENAM, destiné à la formation des artisans cornetiers de la région. Cette initiative s'aligne parfaitement avec l'objectif du ministère d'améliorer le savoir-faire des artisans. L'établissement dans plusieurs villes d'autres centrales d'achat de cornes de zébu et d'autres matières premières est également prévue. Leur inauguration sera réalisée prochainement. Le ministère a déjà élaboré une cartographie des matières premières pour les filières porteuses, ce qui permettra de prioriser l'installation de ces centrales d'achat en fonction des besoins identifiés. 9000 fonctionnaires participeront au championnat national 2024 de l'ASIEF en tir à bée du 5 au 18 août prochain. Ces participants se sont inscrits sur le site web de l'ASIEF. Selon le président de l'ASIEF, les sportifs du Sénat, regroupés au sein de la section Sénat Sport, sont également prêts à participer à ce championnat national 2024 de l'ASIEF. Selon son président, la ville d'un tir à bée est prête à accueillir cette compétition de haut niveau des fonctionnaires, tant en termes d'infrastructures qu'en termes d'accueil et d'hébergement, selon le président de l'ASIEF. Reportage de Mikael Djamboulas sur les images de Arfid Rakoutmanal. Tout est fin prêt pour la tenue du championnat national sportif des fonctionnaires 2024 qui aura lieu en Tir à bée du 5 au 18 août prochain. Selon le président de l'ASIEF, l'inscription sur le site web de l'ASIEF fait partie des prérequis exigés de la part des participants par cette instance. L'inscription a pris fin la semaine dernière après le long délai accordé aux participants par l'ASIEF. Jusqu'à la date limite, 9000 participants se sont inscrits sur le site web pour participer au championnat national de l'ASIEF 2024. La localité d'un tir à bée prête à accueillir cette compétition de haut niveau des fonctionnaires tant en termes d'infrastructures qu'en termes d'accueil et d'hébergement. Selon le président de l'ASIEF, le gouvernement soutient également de manière significative l'ASIEF en ce qui concerne la préparation de cette compétition d'envergure nationale. Les sportifs du Sénat rassemblés au sein de Sénat Sport sont aussi fin prêts à prendre part à cette compétition de l'ASIEF de 2024, selon son président. En plus de sa participation à la compétition sportive, Sénat Sport dotera également en équipement l'ASIEF, outre les 9000 fonctionnaires qui participeront à la compétition. 12 000 autres fonctionnaires qui vont supporter ces derniers sont aussi attendus à un tir à bée à l'occasion du championnat national de l'ASIEF 2024 qui se tiendra du 5 au 18 août prochain.
Le fait pour les personnes qui transitent aux frontières d'un pays de ne pas connaître les pays, les tarifs douaniers qui y sont en vigueur leur pose problème. Pour venir en aide à ces dernières, la douane malgache a mis en place la plateforme baptisée e-Tarif, un outil les informant sur les montants des taxes des un outil informant sur les montants des taxes, des tarifs douaniers, ainsi que les démarches à suivre auprès des douanes. Le processus de déclaration de marchandises a également été facilité grâce à l'utilisation de l'application douane MDG qui a été dévoilée au public ce jour par le directeur général des douanes centrale-africaine, Eric Ranefson. Afin d'améliorer les méthodes de travail de la douane, cette dernière a opéré un changement de stratégie. La méconnaissance des tarifs douaniers par les voyageurs transitant aux frontières du pays est l'un des problèmes les plus fréquemment évoqués. Ne pas connaître les étapes et démarches à suivre pour effectuer le paiement des tarifs douaniers reste encore un autre problème rencontré par ces derniers. La plateforme e-Tarif Tool peut désormais être utilisée pour s'informer sur les tarifs douaniers. Cette plateforme a été mise en place pour que les voyageurs puissent se préparer à l'avance concernant les procédures qu'ils devront suivre auprès des services douaniers, a déclaré ce jour le directeur général des douanes. Pour faciliter l'accueil des passagers, le marquage des marchandises ou des équipements des personnes pénétrant, les frontières du pays a été simplifié grâce à l'utilisation de l'application Douane MDG, le but étant de réduire le temps passé au poste de contrôle pour les personnes qui n'ont pas de déclaration à faire. Les personnes ayant des marchandises à déclarer pourront également faire leur déclaration plus rapidement. Cette plateforme est disponible sur le site web de la douane. Passons maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, Donald Trump est arrivé lundi, pansement sur l'oreille, à la convention républicaine de Milwaukee, accueilli par une foule survoltée qu'il a longuement ovationnée debout. Reportage de France 24. Pansement sur l'oreille et poing levé, Donald Trump, tout juste désigné candidat à la présidentielle, arrive en héros à la convention républicaine de Milwaukee. Il est ovationné par la foule quelques jours après avoir échappé à une tentative d'assassinat. À ses côtés, James David Vance, le sénateur de l'Ohio, affiche sa complicité avec le magnat de l'immobilier. Il vient d'être nommé vice-président. L'affiche séduit les partisans. Je suis ravi du choix du vice-président. Il a une histoire convaincante, donc je pense qu'il sera formidable. À 39 ans, cet ancien militaire et auteur de romans à succès est l'un des principaux porte-parole des conservateurs au Congrès. Anti-immigration, défenseur du protectionnisme économique, James David Vance s'est pourtant montré très critique envers l'ancien président dans le passé, comme en 2016, où il le traite d'idiot. Il est aujourd'hui considéré comme plus radical que Donald Trump par les démocrates. C'est un clone de Trump sur les sujets, un clone de Trump sur les dossiers. Je ne vois donc pas de différence. Porte-voix d'une population ouvrière et déclassée du nord-est des États-Unis, James David Vance prononcera un discours ce mercredi. Voilà, c'est la fin de notre édition en version française. Je vous donne rendez-vous à 19h30 pour la version malgache. À tout de suite.